on a voulu un travail collectif et on est parti d'un premier travail qui existe autour du songe d'une nuit d'été pour les premières de spécialité. C'est l'entrée dans la forêt, comment les trolls sont dans la forêt, comment la forêt est symbolisée. Et donc on est parti de techniques très physiques. Et on a demandé aux jeunes de se mélanger au plus grand pour faire ce travail-là tous ensemble. On va essayer de redéconstruire ça et de repartir en troll et ressortir en troll. L'objectif, c'est aussi tout à l'heure d'arriver à utiliser les perruques qui ont été fabriquées hier et donc d'arriver presque en production immédiate à voir comment ça peut s'adapter à des elfes, à des trolls, à des personnages mythiques ou mythologiques. Et vous, après, il va falloir vous réfléchir à des costumes et à des décors par rapport à ce qu'ils font. Le vent augmente un tout petit peu et déplace la cime des arbres. Il y a une souplesse dans le bois, c'est pas du métal. Qui fait quoi? Quel accessoire qui s'occupe du décor? Avancez, Démétrius, mon noble seigneur. Cet homme a mon consentement pour l'épouser. Avancez, Lysandre. Cet autre, mon gracieux duc, a ensorcelé le cœur de mon enfant. Avec des bracelets de cheveux, des bagues, babioles, bibelots, fleurettes, trucmuches et bonbons. Je supplie votre grâce de pouvoir être informée de ce qu'il pourrait m'advenir de pire si, en ce cas précis, je refuse d'épouser Démétrius. En application de notre loi, qui prévoit de cette manière une exécution immédiate.